Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Service civique, un premier centre déjà disponible. Et à Dallois, de nouveaux diplômés pour l'École internationale des affaires des finances et de la comptabilité. Le projet Service civique prend forme en Côte d'Ivoire. Un premier site d'encadrement et d'apprentissage a été inauguré le vendredi 24 mars par le Premier ministre Patrick Hachi. Situé dans la commune de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, c'est un dispositif qui vise à inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect des règles de vie en société, de respect des institutions et des personnes qui incarnent l'autorité de l'État. Le centre de service civique de Boaké voit le jour, c'est du concret. Et cela intervient dans le cadre de l'année de la jeunesse. Ce centre va offrir des opportunités à 1000 jeunes qui auront une opportunité donc, de se former, d'apprendre un métier et d'être insérés. Et au-delà de ces 1000 jeunes cette année, c'est quand même le centre de Dallois qui va ouvrir au mois de juillet. Mais c'est aussi le centre donc, d'Adzopé et de Korogo qui vont ouvrir donc, au mois de novembre. Le centre de service civique de Boaké est également du type civilo-militaire. C'est un cadre de resocialisation et d'apprentissage des jeunes vulnérables à un métier. Les pensionnaires vont suivre une formation professionnelle qualifiante dans des centres qui y sont dédiés. Les jeunes concernés par le projet saluent la perche qui leur est tendue. Mon souhait est que, au sortir d'ici, est-ce que je pourrais avoir une insertion noble dans la société et enfin de pouvoir bénéficier des privilèges de ce centre de service civique et être respecté dans la vie active. D'un coût estimatif d'1,2 milliard de francs CFA, l'infrastructure est bâtie sur une superficie de 4 hectares. Avec tous les autres à construire, il est réalisé avec l'appui de la France à travers l'AFD et le contrat de désendettement C2D. Le centre va accueillir ses premiers entrants courant avril 2023. C'est avec ce hymne, orchestré par les étudiants devanciers et parrains de la filière finance-comptabilité de l'INPHB, que le coup d'envoi de la 23e édition de la journée du diplômé en finance-comptabilité a été lancé. À l'instar des années précédentes, ça va être la passation de flambeau entre la promotion 2023 et la promotion 2024, qui est en formation aussi également au sein de l'Institut. Nous prévoyons donc ce même genre d'activité pour nous assurer de l'insertion donc de tous les diplômés de la promotion 2024 qui va venir. Cette journée vise à mettre en évidence l'importance du domaine de la finance-comptabilité dans le monde de l'entreprise et en particulier les atouts des étudiants en finance-compta de l'INPHB. Toutefois, elle sert également de canal de baptême de la promotion sortante de la troisième année apte à relever les défis du monde professionnel. Mélange de savoir, de charisme, de détermination, l'AEFC prône les valeurs de respect, de travail, de sérénité, de foi et de solidarité. Et pour finir, à Dallois, l'École internationale des affaires des finances et de la comptabilité a organisé sa double cérémonie de remise de diplômes aux étudiants en fin de cycle et de remise de tablettes aux étudiants de première année. Cette cérémonie qui marque la fin de la formation des nouveaux diplômés est l'occasion pour M. Koné Mamadou Fanganyé, fondateur de l'EIAFC, de les encourager à aller sur le marché de l'emploi. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est en votre honneur, chers étudiants, alors que vous recevez votre diplôme, mais également en l'honneur de vos parents et familles qui ont contribué à votre réussite. Votre travail acharné vous a conduit jusqu'à ce jour. Vous avez dû développer certaines qualités personnelles et intellectuelles pour relever le défi des études supérieures. Et désormais, vous êtes en mesure de vous mettre en quête de nouvelles perspectives en toute confiance. Les étudiants et parents expriment leur fierté pour la fin de formation et aussi sa qualité. L'École internationale des affaires des finances et de la comptabilité de Dallois engage tous les partenaires à donner le meilleur d'eux afin d'offrir des emplois aux jeunes diplômés et de faire de l'année de la jeunesse une réalité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.